Salut les amis. Les amis, avant que cette vidéo commence, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, les amis, qui est autre que Car Vertical. Les amis, Car Vertical, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et ben, on va le voir ensemble. Vous prenez tout simplement votre numéro de châssis ou votre plaque d'immatriculation de votre moto ou de votre voiture, et vous allez tout simplement pouvoir vérifier si le compteur kilométrique a été trafiqué, si votre véhicule a été volé, si le statut juridique et financier, si le véhicule est gagé ou quoi que ce soit. Vous allez le voir sur Car Vertical. Vous allez voir tout simplement aujourd'hui sur cette BM M4 d'un abonné que j'ai passé, donc son père l'a acheté, donc je l'ai vérifié pour lui. Donc allez, payez pas vous quoi que ce soit. Mais attention, des dommages ont été enregistrés sur le véhicule, comme vous voyez là à l'écran. Il y a eu deux dommages, le véhicule a été endommagé deux fois et on a des photos, c'est un truc de fou. Donc pour des coûts de réparation estimés entre 500 et 1500 euros et 1500 et 3000 euros, donc c'était en Allemagne, donc deux dommages estimés sur ce véhicule. Donc avant d'acheter un véhicule d'exception entre guillemets, un véhicule qui vaut assez cher, n'hésitez pas à vérifier le véhicule sur Car Vertical. Vous voyez bien que c'est la M4, donc franchement moi ça m'embêterait d'acheter une voiture sans le savoir. En tout cas voilà, un véhicule importé de France, vous pouvez toujours vérifier, comparer Istovec. Là c'est dans le monde entier avec les rapports que vous avez sur Car Vertical. Bénéficiez de moins 20% avec le code Léonade les amis, et regardez tout simplement toutes les photos du M4 directement sur Car Vertical. Vous avez un dossier photo complet et vraiment la photo fait peur. Bon, on espère que ça a bien été réparé et qu'il en profite bien. En tout cas, je vous mets tous les liens pour Car Vertical en description et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu les amis à la petite intro assez rigolote, aujourd'hui les amis, on vous présente un véhicule d'exception. Alors là, si je reçois des commentaires, ah, il est passé sur la chaîne de tel, il est passé sur la chaîne de tel. Si un jeune youtubeur met sa petite story à 18h35 en disant oui, le frérot il a sorti la même vidéo que moi, on filme le même véhicule, bah là j'aimerais bien l'avoir dans les commentaires celui-là. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 200 000 abonnés. N'oubliez pas qu'aux 200 000 abonnés, je vous offre une moto. Bon, vous l'avez vu, elle a mal fini, c'était pas très loin d'ici, mais vous inquiétez pas, elle sera refaite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ici sur mon TikTok et sur mon Instagram, tout est en description. On met un petit pouce bleu à la vidéo les amis, à 2500 pouces bleus, je pars avec ce véhicule en livraison. Et vous allez comprendre pourquoi je dis livraison. Aujourd'hui je suis avec Lucas les amis. Lucas, ça va? Ça roule? Ça va, impec. Impeccable, ouais. Aujourd'hui on y va, on présente le véhicule, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on vous a ramené un véhicule d'exception. Alors là vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. On en a trouvé ça à vendre, c'était plutôt sympathique. Du coup l'affaire s'est présentée. Viens Lucas, on va faire le tour rapidement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, bon, je pense que tout le monde connaît, donc vous allez vite comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un véhicule d'exception. On va tourner autour, Lucas, pour leur présenter tout simplement aujourd'hui, les amis, un scooter de livraison. Alors franchement, dans les présentations atypiques, n'hésitez pas à remplir mon petit formulaire en description. Là, on est pas mal. On a franchement un véhicule de dingue. Aujourd'hui, on va vous présenter un scooter de livraison, les amis, parce que moi, j'ai toujours kiffé les voir rouler. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en présenter un. Peut-être que ça va plaire à certains, peut-être que ça va pas plaire à d'autres. Il y a beaucoup de spécificités à regarder là-dessus. On va présenter le poste de pilotage. Ouais, regarde. Get ça un petit peu, le poste de pilotage. Bon, je pense déjà, non, pas poste de pilotage. L'esthétique au global. Regardez-moi ça. Petit scooter. LED avant, clignotant. LED arrière. Filme le cul. Petit cul. Hop, et après on vous présente tout ce qui est rangement, tout ça, sac à main. Voilà, venez voir au niveau du poste de pilotage. Comme c'est un scooter de livraison, il y a deux rétroviseurs obligatoires. Commencez pas à dire non mais là frérot, je te mettrai un rétroviseur 50 factory, là je te mets des jantes en 19 et je te mets un kit 70. Déjà, niveau kit, ça sera impossible. On est sur un scooter électrique les amis, comme vous l'avez vu juste avant, à moins que j'ai rajouté un petit bruit de R1 au montage. Mais bref, donc sur un scooter électrique les amis, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a tout comme un scooter classique. Donc j'ai envie de vous dire, on a les commodos, que ça soit du coup clignotant. Vous allez voir, ça fait un petit peu de musique. Ah, la clé est dans le vide-poche. Très important ça, un vide-poche pour mettre tout ce qui est voilà, téléphone, ce que vous voulez. Donc je pense que c'est cette clé-là. Voilà, donc petite clé classique. Hop, donc on va l'ouvrir. Et ensuite, regardez, signature lumineuse. Et comme la MT, la R7. Hein. Comme la R7, ça monte jusqu'en haut, ça redescend. Hein. Donc scooter électrique, couplé avec deux batteries. On va vous parler à peu près des batteries juste après. Mais du coup, comme on disait, les deux rétroviseurs, on a les modes si vous voulez. Il y a trois modes sur un scooter électrique. Bon, c'est comme une trottinette électrique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a les warnings. Hop. Toujours avec la petite... Petite musique. Donc ça, c'est assez relou. Je pense que t'es livreur en livraison, t'as pas envie de mettre les clignotants ou les warnings parce que ça fait un bruit d'enculé. C'est pareil quand tu mets un clignotant. Et pour le faire arrêter, bah, tu cliques au milieu. Comme sur une moto classique, en vrai. Le klaxon, ça vous vous doutez bien. Plein phare, classique. Là, je suis en train de te faire une présentation. Ouais. Là, franchement, c'est du LED. Du coup, l'appel de phare, franchement, il est plutôt pas mal. Ouais. Comme sur une MT1. Bon, là, on verra pas, mais c'est le même... Le truc le plus important. Bah, du régulateur. Régulateur adaptatif, limitateur, régulateur, bridage de 100 km/h.
Non. Plus sérieusement les amis, il y a vraiment un régulateur sur un scooter comme ça. Alors je sais pas si c'est en l'occurrence pour ça le scoot, le livra, il prépare la pizza, il prépare la sauce piquante, régulateur, il la claque derrière, il a greffé le client, tout est chaud, tout est prêt. Mais en tout cas, il y a vraiment un régulateur sur ça, on vous montrera juste après. Vous inquiétez pas, on va aller l'essayer. Mais en tout cas, voilà, petite bulle fumée, regarde, tu peux venir voir, ça peut être Air Max ou je sais pas qui a fourni ça. Petite bulle fumée. Petite devanture LED, franchement ça on dirait une rig light, le truc est, c'est un truc de beauté, c'est impeccable. Niveau freinage, on est sur deux freins à disque, regarde franchement ils ont éprouvé la vie, franchement ils mangent la vie à pleine dans les disques. Donc deux disques de frein, donc après c'est les freins classiques. Sinon en vrai, il n'y a rien qui change que ce soit un scooter de livraison ou un scooter électrique classique. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est tout simplement un support, un caisson qui est venu se mettre dessus tout simplement à la place et du coup je pense de la deuxième place d'avoir une grande selle ou sinon sur les scooters souvent on a ça pour s'accrocher et pour le charger à l'arrière. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous montrer tout ce qui est compartiment batterie. Hop, alors attendez, tu tournes la clé, là c'est pour y mettre ton sac à dos, tu vois, hop, t'as un petit scooter pour faire Uber Eats, hein, en vrai c'est clean parce que les amis n'oubliez pas que c'est électrique donc ça marche à mort et ça vous allez le voir juste après. Donc on déverrouille vers la gauche dans Open et ça s'ouvre comme un T-Max, hop, là tout simplement on a quoi? On a une batterie, là on a le chargeur, prise, voilà exactement, après on a tout ce qui est papier tout ça et ensuite donc il y a un petit coffre, ouais. Ah ouais, ah oui, et là t'as la deuxième trappe pour avoir la deuxième batterie. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu peux coupler deux batteries. Donc niveau autonomie, on verra ça plus tard, mais franchement c'est pas mal. Et après tu refermes tout ça comme un scooter classique. Donc pour tout ce qui est autonomie, vitesse de pointe, on va voir ça juste après. Viens Lucas, qu'on va leur présenter ce qu'ils veulent tous voir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça les amis? La maison mère, la maison de cœur. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a les menus Happy Meal qui sont sortis. Enfin, les menus enfants. Vous avez une mini pizza, un accompagnement, tout ça. Je claque la petite promo, mais franchement c'est super bon. Donc n'hésitez pas à aller tester ça dans tous les Domino's de France. Et sinon, regardez ce qui se cache à l'intérieur. Et là, au montage, j'y fous ce que je veux. Hein. Là, au montage, j'y mets ce que je veux. Donc, moi, je pensais que c'était trop petit pour ça, que ça passait pas. Mais je vous expliquais comment ça se passe. Viens, là, on est en simulation cuisine. Tac, 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 tac. Je t'ai fait la pâte. Là, hop, 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 c'est prêt. Je mets mon petit sac à dos, je m'équipe, tout ça. Bien sûr, les livreurs ne sont pas équipés comme moi. Ça, je tenais à le préciser. Hop, 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 on s'équipe, on prend le sac chaud, on met la pizza. Tu lances tout. Tu mets dedans, tu claques. Hop, tu cries que tu pars, tu t'en vas, ça. Tu prends, tu y vas, tu vas chez le client. Tu rouvres, tu donnes la pizza, hop, c'est fait. Tu vois, super rapide, dodo Domino's. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Je pense que Lucas, tu vas prendre le micro. Tu vas nous citer avantages, inconvénients, vu que tu as roulé pendant plus de un mois à ce bord. J'ai oublié de vous parler un petit peu du kilométrage. Le kilométrage de ce véhicule, attention, il a... C'est bien ce qu'on disait, il est dans les 50 000 ou dans les... 15 000 km. 15 000 km. Je sais pas si vous en rendez compte pour un scooter, je sais pas du tout, ça fait combien un booster, un zip En fait, ça dépend d'origine, ça peut faire 20 000. Ouais. Tu vois, les vieux scooters à l'époque, même les vieilles motos, les deux temps, ça faisait 50 000 km. 50 000 km. Ouais, c'est juste un entretien, mais là, vu que c'est électrique, t'as rien à faire. Bah là, ouais, c'est électrique, y a rien à faire, tu branches tout ça. Je sais pas, durée de vie d'une batterie, c'est combien? On en avait parlé, je crois, bah, il me semble. Pour les trottinettes, c'est 20 000. Pour les trottinettes, 20 000, ouais, bah après, c'est quand même des plus grosses, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait déjà 15 000 bornes et franchement, ça tient, hein, c'est plutôt pas mal. Ça a vraiment une dégaine, une folle dégaine au niveau de la conso, tout ça. Je te laisse prendre le micro. Bah, on va commencer par consommation déjà. Quand on a les deux batteries, 1% c'est 1 km. Donc, allez, on va dire 80%. Si on descend pas en dessous des 20%, ça fait 80 km. 80 km d'autonomie donc, avec les deux batteries, du coup. Ouais, deux batteries. Donc, franchement, c'est super rentable. Ouais. C'est, tu le branches à la maison, ça te coûte aller quoi, 2 euros, même pas. Ça prend. Une nuit, j'allais dire entre 9 et 10 heures pour, ouais, c'est des grosses pour le charger. Ouais, c'est une recharge, ouais. Ouais, voilà, ça doit être ça, donc une petite, une grosse nuit quand même. Et puis ça roule nickel. Les avantages, bah, c'est le régulateur, franchement, c'est un bonheur. Ouais, franchement, ça, c'est ouais. Un truc de fou. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que le top case, c'est que ah ouais, t'es canapé. T'es nard, tu peux ah, c'est canapé. Que... Mais les inconvénients, tu vas voir après quand tu vas rouler. La première fois, ça m'a fait flipper. Ouais, c'est quand ça tourne. Tu lâches le guidon. Il guidonne direct, mais guidonne, mais c'est wow. La ouais, première fois, vrai. Ça m'a fait vraiment peur à mourir. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit caréné ou quoi que ce soit, mais le poids à l'arrière. C'est peut-être ça, ouais, ça le déséquilibre. Et du ouais. Coup, en parlant bah, de poids, j'en ai fait les frais il y a encore deux jours. Ouais. Quand il pleut, chargez-le pas. Parce que à peine il part, c'est. Tu tombes direct. Ouais, c'est, t'arrives même pas à le rattraper, c'est impossible. Avec ça, parce qu'en vrai, ouais, c'est ouais un voilà, c'est ça. C'est électrique donc c'est bien, c'est nerveux. Ouais, bah nerveux, ça monte vite à 45.
Ouais, c'est ça, mais... c'est 45, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Débridable, hein, ce qu'on a regardé, débridable. Faut avoir la technique, nous on n'a pas réussi, donc on a pour 60, je pense, 65. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour dire d'avoir un petit peu plus de patate. Ouais, donc... ouais, parce que du coup, sur les grandes routes, c'est un peu... Ouais, bah après, c'est des scooters de raison, voilà. C'est pas fait pour la départementale. C'est sûr, c'est cher pour faire la ville. En ville, franchement, je préfère rouler ça qu'un scooter thermique. Franchement, c'est un bonheur, t'as pas de bruit, tu peux mettre ta petite musique dans l'intercom, t'es tranquille, tu fais tes petites livraisons. Franchement, dès que t'accélères, ça part. Ouais, voilà. Après, c'est pas un monstre de guerre, tu vois, mais. T-Max 530, voilà, c'est ça. Mais comparé, je pense, à une 50 bridée, je pense que ça part plus fort. C'est un scooter, hein, 50. Ouais. Après, si tu fais bien les départs, je pense que ça peut se jouer. Mais franchement, comparé à un scooter, je veux bien voir, mais je pense que c'est devant. Et puis, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'essence, c'est ça qui est bien. 2900 ceux-là, mais je crois que t'as des moins chers. 2900, donc ouais. Bah, c'est le prix d'une 59. Hein. C'est ça. C'est dans les 3000, je crois. On est dans le même tarot. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, du coup, les amis, on va directement aller tester le scooter électrique. Donc, comme on l'a dit, tout ce qui est autonomie, tout ça, bah franchement, c'est un scooter électrique. C'est comme une trottinette électrique, on va dire, sauf que ça marche plus fort. On s'équipe, on se retrouve à la GoPro, à faire quelques allers-retours, des départs, le débrief. Et puis après, on se laissera là. Et puis, n'oubliez pas, 2500 pouces bleus, j'ai vraiment envie de partir en livraison. Du coup, je compte sur vous. Vous mettez un petit pouce bleu. Je vais m'équiper parce que, les amis, je me suis fait démolir comme pas possible dans la dernière vidéo. Sachez que j'avais oublié mes gants. J'avais quand même mon casque. J'ai glissé. La moto morte, mais moi, ça va. Je n'ai rien du tout après 3 jours de convalescence. Ça va, pas d'arrêt maladie. On allait au boulot tranquillou. Donc, vous inquiétez pas. Roulez équipé vraiment. Vous allez voir que moi, quand je roule avec la Ténéré 700, je suis toujours équipé de la tête aux pieds. Donc voilà, vous pouvez me prendre comme exemple, sauf la dernière fois. Voilà, hors cas exceptionnel. En tout cas, je m'équipe, c'est parti, on y va. Salut les amis, ciao. Les amis, double cam, ça filme de partout. C'est parti, on y va, on prend place dans le scooter. Hop, hop. Je vais livrer. Attendez, je mets le mode 3, ça serait pas mal. Il a pas besoin de gilet jaune. J'y vais, j'ai mis ma gilet, ma protection, ciao. Oh là là. Bon les amis, on est parti à bord du bolide de guerre. Non, on va pas aller en off-road. Oh, ça guidonne. Salut. Bon, on va tous s'équiper, on va mettre la visière, on va mettre tout normalement en motovlog. En grand angle, on va tout voir. Les amis, on se retrouve au guidon du scooter. Franchement, là, on a une sacrée dégaine. On va faire un petit tour. Bon, là, on est déjà en VMAX, vous inquiétez pas. Je vous ai pas caché la VMAX, mais regardez comment ça guidonne. Oh, tu lâches. Oh, regardez comment... Ouah, c'est un truc de ouf. Bon, on va faire une petite balade pour vous montrer qu'en vrai, c'est super chill à rouler. Et que franchement, je pense que ça a rivalisé avec les scooters électriques, enfin les scooters thermiques, que ce soit pour les services de restauration rapide ou quoi que ce soit, parce que franchement, c'est un truc de ouf. Une fois que t'es lancé, bon, tu vas pas super vite, hein, vous allez le voir. Mais après, on rappelle que c'est des scooters qui font de la ville, ils font pas l'utilisation qu'on va en faire aujourd'hui. Nous, on va aller faire un petit tour en ville comme ça, on va parler, on va discuter et on va revenir. Bon, on espère pas se faire contrôler parce qu'il y a une chance sur 40, tu croises la police, tu te fais arrêter avec ça vu la dégaine que j'ai. Petit clignotant, à chaque fois que tu mets le clignotant, ça te fait une musique de fou malade. Bon, en tout cas, voilà, en double cam devant l'auto-école. Alors là, ça va parler. Hein. Là, franchement, on est sur une VMAX, je pense, ça prend 50 km/h, c'est ça. Bon, c'est la même qu'un scooter bridé, on va dire. Regarde, 49, je pense que tu pousses un peu, tu fais les 50 faciles. Mais ouais, franchement, ça se roule super bien. T'as du rangement, en vrai, en perso, je sais pas si tu te mets le gros caisson de livraison. Mais si jamais t'en as besoin ou quoi, quand t'es jeune, t'as envie de te trimballer avec un petit peu de matériel parce que t'as pas les sous pour une voiture sans permis, tu prends un scooter comme ça. Comment c'est super agréable. Le top case à l'arrière. Bon, du coup, je parle, il y a tout le monde qui m'entend comme il n'y a pas de moteur. Oh, le top case à l'arrière, c'est agréable. Oh, tu fais de la. Même la selle, je trouve, elle est super confortable. Tu fais un petit peu de ville avec ça, franchement. Et les livreurs, ils sont bien fournis parce que, franchement, à rouler, c'est incroyable. Ah ouais, ouais, c'est top. Regardez la dégaine que j'ai là-dedans. C'est super drôle. Bon, après, faut pas s'amuser à pencher, à rouler comme un dingue avec ça. Mais franchement, pour faire de la ville ou quoi, il n'y a rien de mieux. Bon, après, la reprise, j'ai connu mieux. Hein. V-motard, salut les mecs, V-motard à tous. Ouais, là on va avoir une dégaine avec ça. On va se faire juger. Tu peux pas plus. Mais franchement, en ville, comment c'est chill à rouler ça. Ouais, ouais, salut les mecs. Genre, j'attire pas le... Ouah, ça guidonne direct. Genre, j'attire pas le monde avec la dégaine que j'ai. Pote, j'ai une dégaine avec ça. Bon, il y a quand même de la reprise, tu vois. Mais sinon, ça manque encore un petit peu de nervosité, je trouve. Tu rajoutes un petit peu plus de nervosité, franchement, ça devient un monstre. Ça freine super bien. Tu vois, quand ça repart comme ça, ça repart. Un petit peu, tu vois, c'est là qu'il manque un petit peu de pêche. Mais là, tu rajoutes de la pêche. C'est incroyable. Mais moi, je kiffe. Ça roule trop bien. Ah ouais, franchement, ça roule super bien. Et mettez les pouces bleus, là. Moi, j'ai envie de partir en livraison de suite. Hein. Bon après j'ai envie de te dire, heureusement que tu vois, il n'y a pas trop de pêche ni rien, sinon la livraison à l'arrière, frérot, comme sur un Uber Eats, tu vas tout renverser. Et quand tu commandes Uber Eats, t'as pas envie d'avoir ta commande renversée. Bon par contre, le bruit du clignotant, là avec ça tu le vois. Hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop.
Putain, le bruit du clignotant. Tu te fais remarquer par tout le monde avec ça. Oh là là, mais franchement, l'électrique. Ah, c'est un truc de malade. Tu fais pas de bruit, t'es bien, t'es chill, t'es posé. Franchement, on le dira jamais assez, mais je pense qu'ils vont encore nous sortir. Là, on est sur le début de tout ce qui est électrique, mais quand ils vont nous sortir des trucs super développés, des équivalents du thermique, mais à fond, on va choquer, je pense. Parce que c'est vraiment un truc de ouf. Bon, par contre, ouais, c'est... Je sais pas si c'est le fait d'avoir du poids à l'arrière, mais ça guidonne directement. En vrai, c'est quand même facile à prendre en main, mais t'as pas le droit à l'erreur. Je veux dire, surtout si t'es chargé que t'as du poids, là, à l'avant t'auras rien du tout. Donc franchement, faut pas faire d'erreur. Eh mais à rouler, regarde, tu prends 50, là tu vas pas dépasser en vitesse, ça reste maîtrisable. En vrai, quand il fait beau comme ça, c'est super agréable à rouler. Franchement, les réactions des gens, c'est insane. S'il y a pas un regard qui se pose sur toi, c'est trop drôle. J'ai limite envie d'aller prendre un drive ou quoi que ce soit direct là, avec ça, en ayant cette dégaine là. Elle est à mourir de gay. Est-ce que... Ah ouais, non, t'as pas la recharge... Je sais pas comment on appelle ça, la recharge cinétique ou je sais pas quoi. Vous savez, quand t'arrêtes d'accélérer, ça se met en roue libre et ça recharge tout seul. Y a pas ça. Ça, je trouve, c'est dommage. Franchement, ça penche un petit peu, tout ça. On va pas tenter le diable, mais franchement, tirer trop, hop, impeccable. Franchement, ça, c'est comme d'hab. Faut essayer pour aimer, parce que en vrai, la conduite, elle est super agréable. Bon, après, quand t'arrives sur des grandes routes comme ça, j'avoue que quand t'es à fond, bah, c'est long quand même. Mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est confortable, c'est bien à prendre en main. Hop, les. Franchement, je sais pas si ça existe en 125 ou quoi. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que si c'est en 125, les gens que tu dois recruter, ils doivent être en 125, tu vois. Et comme c'est plus facile d'avoir un BSR que le 125. Tu vois, je préfère rouler avec ce que j'ai moi et de mettre mes pizzas dans mon caisson que de les mettre là-dedans, quoi. Ah, y a quand même une petite reprise, hein. Mais ouais, sinon sur Vmax de Vmax, est-ce qu'on peut afficher les 50 km/h? Allez, 50. Non, on n'affichera pas les 50. Non, on n'affichera pas les 50, ça je peux vous le confirmer, ça restera bridé à 49 km/h. Bon, en tout cas, dites-moi si vous kiffez la petite vidéo avec ça. Moi, j'ai grave envie de partir en livraison. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les amis. C'était Léo. Et sur ce, ciao, ciao, hein. Puis en vrai, avec l'autonomie que t'as, c'est plutôt pas mal, hein. Parti en livraison, on est plutôt pas mal. La Vmax du scooter, la Vmax 49, oh, ça ira pas plus loin. Malheureusement, on devra s'arrêter là. Par contre, le freinage, franchement, c'est pas mal, hein. Le freinage, il est dingue. Oh, par contre, oui, l'accélération, ce n'est pas tout ça, hein, mais... Les amis, on s'en va en livraison. Celui qui a commandé, j'arrive. Hey, là, pas besoin de gilet jaune. J'y vais, j'ai mis ma gilet à ma protection. Ciao. Salut! Je reviens, les pouces bleus! Qu'est-ce que ça freine, bordel! Oh, ça mord les freins! Oh, mais qu'est-ce que c'est confortable à rouler! Oh là là, bref! Allez, on arrête les bêtises! Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. C'était Léo et Lucas. Les amis, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, très bon appétit. Salut les mecs, ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit.